No. Premier jour en couple, deuxième jour en couple, troisième jour en couple, un an en couple, trois ans en couple, premier jour célibataire. Comment tu t'appelles? Derek. Est-ce que tu veux tenter de gagner un iPhone 11? Ouais, ça doit être compliqué. C'est compliqué. Mais pas impossible. Mais pas impossible. Au boulard. Il va partir en courant. Oh ouais, mais non, en roulant. En roulant. Il est possible. Allez mon bibou. Allez, t'as les épaules pour là. Allez. Un prune jusqu'au bout quoi. No. Petite astuce pour avoir des abdos. Vous enlevez votre t-shirt, vous prenez de la crème solaire et vous l'appliquez seulement sur les zones où vous voulez des abdos. Ok, donc là ça commence à être pas mal. Maintenant il n'y a plus qu'à se mettre au soleil et à bronzer et à attendre. Et voilà, 2 heures plus tard. C'est réaliste ou c'est pas réaliste? Bon, en fait, pas trop, je vous l'accorde. Like cette vidéo et partage et tag tes amis qui veulent des abdos. Premier jour en couple, deuxième jour en couple. Troisième jour en couple, un an en couple, trois ans en couple, premier jour célibataire. Petite astuce pour avoir des abdos. Vous enlevez votre t-shirt, vous prenez de la crème solaire et vous l'appliquez seulement sur les zones où vous voulez des abdos. Ok, donc là ça commence à être pas mal. Maintenant il n'y a plus qu'à se mettre au soleil et à bronzer et à attendre. Et voilà, 2 heures plus tard. C'est réaliste ou c'est pas réaliste? Bon, en fait, pas trop, je vous l'accorde. Like cette vidéo et partage et tag tes amis qui veulent des abdos. Juju, tu peux venir s'il te plaît? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive jamais à conjuguer ces verbes là. Bah explique-moi. Ben là, je sais pas si c'est du futur, du présent, du subjonctif, je suis perdu. Mais c'est facile, Biba, ou si je te dis « je suis belle », c'est à quel temps? Ah, là, c'est du passé, c'est sûr, parce que vu ta gueule... Non mais ça va, ta gueule, mais c'est... Astuce pour perdre du poids. Tournez votre tête vers la gauche puis vers la droite et répétez ce mouvement à chaque fois qu'on vous proposera un McDo. C'est trop nul que la rentrée est demain, j'ai pas envie de retourner à l'école. Attendez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon diplôme du bac! Ah bah c'est bon, j'ai pas besoin d'y aller du coup. Au revoir, bon courage! Chien! Écoute, on en a déjà parlé, je suis d'accord pour marier, mais je veux pas d'enfant. Mais pourquoi? Donne-moi une bonne raison d'avoir un enfant. Bah, je sais pas, peut-être parce que tu pourras rejouer à Pokémon. Tu fais quoi ce soir? Juju, tu peux venir s'il te plaît? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive jamais à conjuguer ces verbes là. Bah, explique-moi. Bah, là, je sais pas si c'est du futur, du présent, du subjonctif, je suis perdu. Mais c'est facile, Biba, ou si je te dis je suis belle, c'est à quel temps? Ah, là c'est du passé, c'est sûr, parce que vu ta gueule... Non mais ça va, ta gueule, mais c'est... Ok les gens, on est avec Fabien. Fabien, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, tu as deux pouvoirs dans la vie, celui de faire apparaître ou disparaître de la cendre. Ferme tes poings comme ça, ferme-les vraiment. Okay. Choisis l'une des deux mains, celle que tu veux. Celle-là. Celle-ci, alors baisse celle-ci et ouvre-la. Là, je te mets de la cendre ici. Ne flippe pas parce que la fin est très flippante. Le début, un peu moins. Souffle dessus. T'as fait disparaître la cendre. Je t'ai dit, c'est pas flippant. Ok, ça, je vais faire. Par contre, le faire apparaître, c'est flippant. Souffle dessus.
Et tourne la main, ouais, et ouvre là. Et là, ça c'est flippant. Mais non. Mec, je crois que tu fais du vaudou. Abonnez-vous, sinon je vous fais du vaudou. J'ai des pouvoirs. Astuce pour perdre du poids. Tournez votre tête vers la gauche, puis vers la droite, et répétez ce mouvement à chaque fois qu'on vous proposera un McDo. C'est quoi la réponse B? Bah, je sais pas, t'as mis quoi, toi? Quelqu'un peut m'aider pour la question 36? Oh! On parle pas pendant les contrôles! J'ai besoin d'aide pour la question 6. C'est 52. Quelqu'un a la question 12? Je sais pas, moi. Qui c'est qui bavarde? Alors, t'as mis quoi? La réponse à la question C, quelqu'un là? C'est la réponse 4. Qui c'est qui triche? C'est quoi la question 8 du contrôle? C'est 56. Silence! C'est quoi la réponse à la question A? Oh, qui c'est qui parle, là? 4 plus 8, ça fait bien 9. Qui a la réponse 7? Vous arrêtez tout de suite! Je connais pas la réponse, désolé. Je punis qui, là? C'est A, B, C ou D? Réponse B. Toi, t'es collé. Eh, hey, mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Toi, dans le bureau du directeur. Mais c'est pas moi, monsieur. Quelqu'un peut m'aider pour la question 8? Oh, et puis merde, je démissionne. Il y a la réponse 4, t'as mis quoi? C'est trop nul que la rentrée est demain, j'ai pas envie de retourner à l'école. Attendez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon diplôme du bac. Ah, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'y aller du coup. Au revoir, bon courage. Chien. Écoute, on en a déjà parlé, je suis d'accord pour me marier, mais je veux pas d'enfant. Mais pourquoi? Donne-moi une bonne raison d'avoir un enfant. Bah, je sais pas, peut-être parce que tu pourras rejouer à Pokémon. Tu fais quoi ce soir? Ok les gens, on est avec Fabien. Fabien, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, tu as deux pouvoirs dans la vie, celui de faire apparaître ou disparaître de la cendre. Ferme tes poings comme ça, ferme-les vraiment. Okay. Choisis l'une des deux mains, celle que tu veux. Celle-là. Celle-ci, alors baisse celle-ci et ouvre-la. Là, je te mets de la cendre ici. Ne flippe pas parce que la fin est très flippante. Le début, un peu moins. Souffle dessus. T'as fait disparaître la cendre. Je t'ai dit, c'est pas flippant. Ok, ça, je sais faire. Par contre, le faire réapparaître, c'est flippant. Souffle dessus. Et tourne la main, ouais. Et ouvre là. Et là, ça, c'est flippant. Mais non. Mec, je crois que tu fais du vaudou. Abonnez-vous, sinon, je vous fais du vaudou. J'ai des pouvoirs. C'est quoi la réponse B? Bah, je sais pas, t'as mis quoi, toi? Quelqu'un peut m'aider pour la question 36? Oh! On parle pas pendant les contrôles! J'ai besoin d'aide pour la question 6. C'est 52. Quelqu'un a la question 12? Je sais pas, moi. Qui c'est qui bavarde? Alors, t'as mis quoi? La réponse à la question C, quelqu'un là? C'est la réponse 4. Qui c'est qui triche? C'est quoi la question 8 du contrôle? C'est 56. Silence! C'est quoi la réponse à la question A? Oh, qui c'est qui parle, là? 4 plus 8, ça fait bien 9. Qui a la réponse 7? Vous arrêtez tout de suite! Je connais pas la réponse, désolé. Je punis qui, là? C'est A, B, C ou D? Réponse B. Toi, t'es collé. Eh, hey, mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Toi, dans le bureau du directeur. Mais c'est pas moi, monsieur. Quelqu'un peut m'aider pour la question 8? Oh, et puis merde, je démissionne. Il y a la réponse 4, t'as mis quoi?